Et sur partouze. Je vais voir ce qu'il y a par ici avant. Chercher Iris à l'étage du manoir. Ouais, bon bah. Ici, c'est mort. Déverrouiller la porte. C'était quoi ça? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Mais non, c'est de la merde ça. Putain, je récupère encore des trucs pourris. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû vider. Hein. J'ai si peur, c'est elle qui fout les jetons, ouais. Quoi qu'avec cette voix douce. D'accord. Allez, passons par là. Vous allez mourir ici. Ah. D'accord. Holgerd a bien changé. C'était un autre homme à cette époque. Non, moi je trouve que c'est toujours le même. Il a exactement la même coupe de cheveux. Putain. Bien joué. Hein. Avec ces petits bruits un peu partout là. Histoire de bien foutre les jetons. Une bonne petite mise en scène. Après avoir fini The Witcher, je ferai une petite pause là, au niveau du jeu vidéo, parce que là, je n'arrête pas de jouer. Je ne fais que ça. Tu me diras, je comprends pas comment les mecs arrivent à
Comment ils y arrivent? Je comprends pas. Je ne fais que ça. Putain de merde. Je ne fais que jouer à The Witcher. Pas à d'autres jeux. Juste à The Witcher. Ça prend ma life de jouer à The Witcher. Ça prend ma putain de life. Et il reste encore plein de trucs à faire. Donc après The Witcher, je vais me calmer là. Je vais essayer de faire autre chose. Faire du sport, sortir dehors. Me gratter les couilles. Jouer avec mes testicules, je sais pas, mais il faut vraiment que je fasse autre chose. Parce que ça fait un moment que je suis sur The Witcher et... Mais il faut que je finisse le jeu quand même. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire, petite? Faut que je lève le pied sur le jeu vidéo là, parce que... Wow. Mais des jeux comme ça, faut pas y jouer deux secondes. Hein. Quoique, je sais pas. C'est pas genre une fois de temps en temps, on n'est pas dans un Mario Party ou une saloperie de ce genre. Tout est en ordre. La table est prête pour le repas. Le gardien doit continuer à dresser le couvert. Ah. J'étais des... C'est dur d'avoir peur quand Gérald lui-même n'a même pas peur, quoi. C'est dur. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bien fait, hein. Puis le but, c'est pas de faire peur, c'est pas un survival horror. Mais on a des petits relents, là. On a une petite ambiance survival horror. Comme avec Uncharted. Uncharted 1. Cette musique aussi. Cette musique, c'est dur d'avoir peur. Avec ce genre de musique. Comment tu veux que ça te foute les jetons? On dirait une naine. Ouais, je vois des naines partout. Hein. Partout, n'importe quoi, partout. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Pas les Swiss fantômes. Vego. Je sais pas si ça s'appelle comme ça le mec, je m'en souviens plus. Les Swiss fantômes 2. Des traces d'incendie. Intéressant. Déjà lu. Ok, c'est fermé.
impressionnant.
La chambre à coucher. Iris était censée être là. C'est sûrement elle. Merde. Tu voulais la voir. La voilà. Mieux vaut formuler ses souhaits avec soin. Ça évite les déconvenues. C'est une mauvaise blague. Pourquoi ne pas m'avoir dit d'emblée qu'elle était morte? Tu n'as pas demandé? Oh, pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée? Nous en sommes incapables. Quant au gardien que tu as vaincu, de son vivant, elle lui avait ordonné de ne pas l'approcher. Plus ça va et plus je me demande. Pourquoi vous m'aidez au juste? Nous avons été invoqués pour servir Iris von Evreck. Notre maîtresse n'est plus, mais ça ne nous libère pas de son service. Je vois. Vous voulez quitter cet endroit? Et ces cadavres? Ça te surprend? Non, pas du tout. Comment est-elle morte? Je n'ai vu aucune blessure ou signe de lutte. Son cœur a lâché. Comment ça, une crise cardiaque? Non, son cœur a lâché. Je ne vois pas la différence. Et pourtant, il y en a une grosse. Un jour, Iris a verrouillé la porte d'entrée, s'est étendue là et a rendu l'âme. Le chagrin, la solitude. Ouais, tu te fous de ma gueule. En fait, en gros, elle est morte de chagrin. Elle est morte de chagrin. Un peu comme dans Star Wars, où il y a une gonzesse qui meurt de tristesse. Il n'y a que les gonzesses pour mourir de tristesse. Mourir de chagrin, il n'y a que les gonzesses pour faire ça. Ça n'a aucun sens. Elle ne meurt pas de chagrin, bordel de cul. Son cœur a lâché. Moi, je t'en foutrais, moi. Si putain, tout le monde se mettait à crever de chagrin, putain, moi, je serais mort depuis des années. Son fantôme est tourmenté, en colère. Il attaque les intrus. Pourquoi? Dame von Evreck a beaucoup souffert. Elle n'est guère habituée aux visiteurs et se méfie des étrangers. Elle ne nous entend pas. Je vais devoir parler avec le fantôme d'Iris. Il sera ardu de communiquer avec notre maîtresse. Elle brûle de rage et d'amertume. J'ai l'habitude. Je vais devoir enterrer le corps d'Iris. Mais le cimetière d'épouvante de votre gardien ne fera pas l'affaire. Il a vu trop de sang, trop de peur. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin de devant. Ah. C'est une idée. Attends. Prends la clé de la porte d'entrée. Gentil chien-chien. Joli couple.
classe, McFly. Tu m'étonnes, hein, y a de quoi être énervé quand tu meurs de tristesse. Y a de quoi avoir la haine. Hein. Putain, vous êtes sérieux, je suis mort de tristesse. Putain, ben, ça me rappelle un anime japonais, un japanime, avec un mec. Il avait tellement les jetons qu'il en est mort. Il s'est même pissé dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a cru qu'il va arriver un truc et il est mort. Alors qu'en fait, il va arriver rien du tout. Il a juste eu des jetons et. Il a une crise cardiaque, il est mort. Et il s'est pissé dessus. C'était trop marrant. Et ensuite, ça devient nul. Comme tous les mangas. Comme tous les japanimes. Ça... Au début, c'est marrant, puis ça devient nul ensuite. Un endroit pour enterrer Iris. Voilà, d'accord. Elle aimait s'asseoir ici, mais cet endroit ne conviendra pas pour une tombe. C'est trop près de la maison. Je vais continuer de chercher. Du fumier frais. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Iris von Evreck adorait les fleurs. Mais elle n'aurait jamais voulu qu'on les abîme. Bon, je vais creuser la tombe ailleurs. Ici, ça devrait convenir. Oui, elle adorait peindre. Iris von Evreck avait-elle des dernières volontés concernant sa dépouille? Elle redoutait de mourir. Elle craignait que personne ne s'occupe de ses funérailles ou dise un mot gentil. Et c'est sur moi que ça tombe. J'aime les mots gentils. Je n'ai pas connu Iris de mon cul. Iris von Evreck était une peintre douée. Iris était l'épouse de... je sais pas qui. Tiens. Je n'ai pas connu Iris von Evreck. Mais les peintures présentes ici montrent qu'Holger et elle s'aimaient sincèrement. Iris a dû être heureuse autrefois. Parfois, le destin mêle nos chemins et rend la vie difficile à supporter. Mais nous méritons tous de reposer en paix. Tentons de l'invoquer. Placer son carnet de croquis sur la tombe. Quel carnet de croquis? Placer le portrait d'Iris et de sur la tombe. L'un d'entre vous a quelque chose à ajouter. Vous voulez dire quelques mots pour votre maîtresse?
nous ne partageons pas les rites humains. Je gage que tu as respecté les us et coutumes des tiens. J'ignore si vous souhaitiez être enterré avec un portrait de votre époux, mais vous avez vécu ensemble. Vous voudrez peut-être qu'il vous suive dans la mort. Et merde. Je pensais que je pouvais mettre les deux. Je crois que j'ai fait une connerie. La dépouille est inhumée. Invoquons son esprit. Esprit tourmenté, j'ai donné une sépulture à tes os. Oublie ton courroux, ton chagrin. Montre-toi. Putain, j'ai oublié un truc. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Vous voulez que je vous suive? D'accord. Gérald rentre dans un tableau, ça devient what the fuck. Encore plus que d'habitude. Ça commence à devenir très très what the fuck. Où est-ce que je suis? Dans la toile monde, l'œuvre d'Iris von Evreck. Comment vous avez atterri ici? Nous existons dans les deux mondes. Drôle d'endroit. Un endroit issu des rêves d'Iris von Evreck. De son vivant, il n'existait que dans son esprit. C'est la mort qui lui a donné corps. C'est difficile à croire, vous me faites marcher. Tu ferais bien d'y croire et de rester sur tes gardes. La toile monde regorge de dangers. Bon, c'est bien joli tout ça, mais où est Iris? Tu l'as brièvement réveillée. Si tu veux lui parler, tu vas devoir la tirer complètement de son sommeil. Oui, mais comment? Tu es pisteur, non? Je t'ai vu examiner les traces dehors. Et alors? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier. Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmentent Iris et détruis-les. Facile à dire. Eh mais on est dans Skyward Sword. On est dans une peinture. Je veux faire un truc. Faut que je vérifie un truc. Qui m'échappe, j'ai oublié de récupérer un truc et je sais pas si j'ai mis le bon tableau sur la tombe entre guillemets de la femme du mec là, du mec qui arrête pas de me casser les couilles.
à me demander trois vœux à la con. Ça me paraît bizarre, pourtant j'ai tout fouillé, hein. J'ai tout récupéré, je comprends rien. Ça me paraît chelou. J'ai pas envie que ça fasse comme là. Ah putain! Comment ça se fait que j'ai mal? Ça me casse les couilles. J'ai super mal, c'est bizarre. J'ai loupé un endroit ou quoi? J'ai vérifié comme un taré. C'est quoi ça? Je vois ce que j'ai récupéré. Carnet de croquis d'Iris. Et ça, c'est le tableau. On est d'accord. J'allais par ici.
J'ai loupé une pièce, c'est pas possible. Alors, je suis déjà allé par ici. Les voleurs ont tenté de faire descendre la statue, mais quelque chose les a effrayés. Je ne connais pas cette divinité. Holgerd n'est pourtant pas du genre religieux. Brosse ouvragée. Une brosse ornée de fleurs, plutôt jolie. Ah. D'accord. Ça fait encore un truc que j'avais pas fait gaffe. Et voilà. Haha. Et ouais. D'où elle sort cette putain de fleur? Bon, déjà, je veux changer de tenue là. Vas-y, mais change de tenue là. C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue débraillée là? Examiner de plus près ce que je viens de récupérer là. Ah si. Ça je peux pas. C'est quoi ça? Ah, le levier. Elena la godasse, patron. C'est quoi ça? Encore un intrus enterré par le gardien.
Des graines et des bulbes. Il y a un jardinier par ici. Ouais, c'est le gardien. Putain, vous ne laissez même pas examiner les trucs, quoi. Laissez-nous au moins examiner les trucs avant de nous balancer le gardien en pleine gueule. On examine le tout et ensuite on affronte le gardien. Un gardien vachement flippant d'ailleurs. On se croirait dans le labyrinthe de Pan. Je déteste ce film. Putain, mais j'ai oublié un truc, c'est pas possible. J'ai vu un truc briller, bordel de merde. Il y avait un truc qui brillait. Je suis pas fou, j'ai vu un truc. Putain, mais il est où? Ouais, je peux pas passer par là. Ils ont montré une pièce de la baraque et il y avait quelque chose qui brillait. Ça me fait chier. Je trouve que je l'ai récupéré, mais je trouve que c'était peut-être cette pièce. Alors, où est-ce que je vais sauvegarder, moi ? J'avoue que je suis un peu... Non, je peux pas sauvegarder, là. Non, ni la colline de Lente, je peux pas. Putain, j'ai pas assez de place, les mecs ! Mais les mecs, quoi, merde ! Allez, Sésame, ouvre-toi. Ah, merde. Ah, j'ai déverrouillé. C'est absolument parce que... C'est pas ici que je voulais aller. Non, je crois que j'ai tout vérifié, hein. Ça me fait chier, putain. Qu'est-ce que j'ai bien pu louper ? La 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 la. Si je peux pas y aller. Sûr que je peux pas y aller. Putain, il y a bien quelque chose derrière cette pièce.
faire. J'y suis déjà allé. Tout est verrouillé, bordel de merde. Pourquoi tout est verrouillé? Il y avait un truc qui brillait. Bordel de merde. C'était quoi cette connerie qui brillait? Ah, et puis merde, j'en ai marre, je me casse. La corde est neuve. Le seau a été réparé. Dans la cabane du jardinier, peut-être. Une telle organisation, ça ferait presque peur. Trop bien rangé, ça fout les jetons. Quelqu'un entretient encore les lieux. Elle aimait s'asseoir ici, mais cet endroit ne conviendra pas pour une tombe. C'est trop près de la maison. Je vais continuer de chercher. Iris von Evreck adorait les fleurs. Mais elle n'aurait jamais voulu qu'on les abîme. Bon, je vais creuser la tombe ailleurs. Ici, ça devrait convenir. Oui, elle adorait peindre.
Iris Von Evrek avait-elle des dernières volontés concernant ça? Elle redoutait de... Et c'est sur moi que... Alors, je n'ai pas connu Iris Von Evrek. Iris Von Evrek était une peintre douée, j'en sais rien. Iris était l'épouse... Je ne connais guère Iris Von Evrek, mais j'aime ses toiles. Hélas, l'art fut insuffisant pour apaiser ses maux. Parfois, le destin mêle nos chemins et rend la vie difficile à supporter. Mais nous méritons tous de reposer en paix. Alors... ça brosse. Il me manque encore un truc, hein. Bordel de cul, il me manque un truc, je sais pas ce que c'est. Vous voulez dire quelques mots pour votre maîtresse? Nous ne partageons pas les rites humains. Je gage que tu as respecté les us et coutumes des tiens. Alors, placez la brosse ouvragée. Placez le carnet de croquis. Je sais pas quoi faire. Je vais passer le carnet de croquis, on verra bien. Ce carnet de croquis porte votre nom. Vous apprécierez peut-être qu'il vous accompagne. La dépouille est inhumée. Invoquons son esprit. Esprit tourmenté. J'ai donné une sépulture à tes os. Oublie ton courroux, ton chagrin. Montre-toi. Putain, y'a un truc qui brille. Pardonnez-moi de vous importer. Vous voulez que je vous suive? C'était quoi ce truc, bordel de merde? Mais qu'est-ce que c'était, putain? Ça me fait chier, c'était quoi cette merde? Où est-ce que je... Dans la toile monte. Comment vous avez atterri ici? Un endroit. C'est... Tu l'as brisé. Oui, mais comment? Tu es pisteur, non? Et alors? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et... Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmentent Iris et détruis-les. Facile à dire. Bon. Voyons ça. Les spectres d'Olgierd et de sa femme. Pourquoi ne bouge-t-il pas? C'est un souvenir. Mais il est flou, incomplet. Observe-le attentivement pour le restaurer. Ok. Palette de peinture. Une palette de peintre. De la vaisselle, pour un goûter, ou un petit déjeuner. L'esprit de la steppe. Le livre est usé, on l'a beaucoup lu.
L'esprit de la steppe, c'est dans l'humidité que gît le vrai courage, comme elle a fière allure la race des puissants qui est toujours plus avant, qui toujours plus avant de, avant détruit son héritage et des terres promises créent un désert cuisant. Quand les frères s'éloignent, le cœur glaçant, quand les nantis s'engraissent et d'autres crient famine, quand on n'a que vide à se mettre sous la dent, on purge l'injustice dans le sang de son sang. Goûtez donc, voulez-vous les fruits de ma missive, dévorez-les tout cru, sans cœur que vous êtes. Ce lieu qui a pâti de vos coups d'incisive dégorge maintenant de votre ignoble fiel. Les nuages divins s'amassent dans le ciel pour noyer le péché sous les flots des tempêtes. L'homme est l'énigme du soleil. La larve émitouflée dans son douillet coucou, échappant au tumulte des cieux furibonds, attend patiemment l'heure et grandit peu à peu jusqu'au jour où enfin l'ars tarde un rayon et de ses ailes neuves elle fait ses adieux. Puisse cette pensée toujours rester en nous, puissions-nous à jamais en notre cœur chéri la belle créature aux ailes diaphanes qui de sa chrysalide a jailli tout à coup. Si des péchés charnels tu veux enfin guérir, tourne-toi vers les cieux et ton âme profane s'envolera aussi vers l'extase des dieux. Iris peignait le manoir. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. C'est parfait. J'ai dû me tromper. Cherchez les souvenirs de un et trouvez un moyen de les restaurer. Remettez les objets correspondants à...
Un autre souvenir. Des restes de décoration pour une occasion spéciale. Un verre de vin, identique à celui que tient Holgerd. Un voile de mariée. C'est parfait. Que dirais-tu d'un chien? Ou mieux encore, un chat et un chien? L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. Qu'en penses-tu? Tu m'écoutes ? Pardon, mon amour. J'étais plongé dans mon livre. Il est donc si intéressant ? Oui, passionnant. Rentrons à l'intérieur. Tu veux bien ? Pourquoi ? Il fait un temps magnifique. Les oiseaux chantent. Les abeilles bourdonnent. C'est très agréable. Je ne me sens pas très bien. Reste un peu si tu veux. Moi, je crois que je vais rentrer. Ça s'est réglé. Le souvenir est flou. Tu dois trouver un moyen de le restaurer, de le compléter. Qu'est-ce que... Encore un souvenir. Non, un cauchemar. L'incarnation d'une peur. Une peur que tu devras affronter, tôt ou tard. Ok. Thank you.
J'ai dû me tromper. C'est parfait. À ta santé, ma chère épouse. Et à la tienne, mon mari. Dans mon pays, on offre du pain et du sel aux jeunes mariés. Mais nous sommes seuls ici. Je n'ai besoin de nul autre que toi, si seulement le temps pouvait s'arrêter. Je vais voir ce que je peux faire. Viens, je vais te faire visiter. J'aimerais tant, mais je sais que c'est idiot. Mais la maison est vide depuis si longtemps et je... Et tu as peur des araignées, je sais. Ne t'en fais pas. Je les ai toutes jetées dans le jardin. Mon preux chevalier, tu penses à tout. Ça commence à devenir chaud. Chaud bouillant. Je vais réparer mon épée. Merde. Pff, quel con. Insectoïdes. Et on est partout. Là. Ouais, c'est le bon moment pour s'arrêter.